Et en terminant, nous nous entretiendrons et nous parlerons de politique internationale avec Jean-Pierre Desmarais. On lance l'émission maintenant. Bonsoir à la maison, j'espère que vous allez bien. Si vous avez manqué l'introduction, je vais me répéter pour vous annoncer ce qu'on a comme brochette d'invités ce soir. Enfin, nous démystifierons et validerons l'information des rumeurs concernant le contenu trouvé dans les injections avec Jean Tardy. Nancy Denis viendra nous entretenir sur la visite de Théo Vox le week-end dernier dans la communauté autochtone Macheteyache. On va s'entretenir ce soir avec le docteur Ladiga pour donner suite à la polémique qu'a causé sa lettre dans le journal La Presse cette semaine. Je vais m'entretenir également avec le docteur Béliveau sur la médecine que sert le gouvernement de la CAQ aux médecins de famille. Nous ferons un tour de l'actualité politique avec Richard Descaries et nous parlerons de politique internationale avec Jean-Pierre Desmarais. Veuillez prendre note que vous pouvez toujours partager le contenu de nos émissions sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, et vous pouvez également regarder ce qui se fait ce soir en direct sur notre site internet au www.theovox.tv. J'aimerais également vous donner une petite annonce qui nous est arrivée parce qu'on a eu plein de questions cette semaine par rapport à ce qui se passait avec notre site internet. Nous avons été malheureusement victimes de censure, non pas par YouTube cette fois-ci, mais par Vimeo. En arrière de notre site internet, les vidéos que vous regardez quand vous allez sur theovox.tv, ce sont les vidéos que nous storions, que nous mettions sur le site de Vimeo. Pour vous, c'était transparent, mais on a tiré la plug mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a perdu l'ensemble de nos vidéos. Donc, merci pour votre compréhension. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour pouvoir, via un autre média d'information, remettre sur notre site Internet l'ensemble des 300 vidéos que nous avions depuis les trois dernières années. Donc, on travaille fort. Si vous êtes patient avec nous, d'ici la prochaine semaine, on devrait être en mesure d'avoir rétabli la totalité des vidéos pour que vous puissiez toujours aller visualiser le contenu de ce que nous faisons sur www.theovox.tv. Donc, merci pour votre compréhension. Mon premier invité, on l'apprécie.